les fous nous montrer des volants encore. Faut pas même passer à la vie. Non, même si on pas passer à la vie, on pas même passer à la vie l'autre monde. L'autre monde, l'autre usager qui au même yo là et que parfois des tirs à vie, l'autre monde, tout des tirs à vie partout. Donc, changer. À consommer alcool, s'ouvrir contre des machines. Et si vous ne parlez pas contre des machines, vous devez consommer alcool, mais pas consommer, pas conduire dans ce cas-là, sous consommer alcool. C'est simple. L'aussi simple que j'en dis nous là. Actualité à ce plan international, après Gengo Rosé, mes amis. Président Vladimir Poutine a fait commenter, fait premier commentaire hier et jeudi 24 août là sous. Accident d'avion qui fait on avec la petite Moscou qui t'a parlé dans et qui t'a parlé dans Saint-Pétersbourg qui était à bord et alors liste parmi les passagers qui étaient à bord avion était un nom et monsieur comment le Prigozhin qui c'est leader groupe et les groupes et j'ai groupé un groupe que normalement et qui est en bataille, ou KPD là aussi. Donc, il fait commentaire, il chante de l'honneur pour lui. D'abord, il salue. Il salue famille, victime, monde, 10 monde qui est victime à bois, par ça, qui semblait exploser ou écraser, exploser. Et il salue ça, il rend hommage pour tout le monde. Il rend hommage pour tout le monde. Il y a un député qui est un bonheur, on a créé une conviction. Il a créé mais fait des bagailles qui étaient vraiment pertinents, mais qui fait quand même. Il dit que c'est vrai que monsieur commet des erreurs, mais monsieur a un objectif de le combat, il a accompli là. Et il dit que son enquête a continué, mais l'enquête a pris un temps. Et pour jouer un résultat, pour jouer une cause accident dans ça. Et donc, mes pays occidentaux apparemment pas quoi dans la déclaration de l'autorité du chauffeur. Il n'y a pas quoi dans la déclaration ça. Il est assemblé son sorte de. Et pas oublier M. Dakar et les noms, mais en tout cas, pays occidentaux, nous commentaire que vous faites, il dit que il n'y a pas quoi que c'est son bagage qui est comme ça. Le parcours sur Marc, je vais vous dire, et lui-même, il est parmi les gens qui mourent. Donc voilà, c'est ça le dossier. Et n'abdou que l'autre nouvelle, c'est l'actualité en Niger, toujours, pas clair toujours, les Nigériens sont censés additionner de l'autre pays africain qui a fait des communautés pour déterminer tout, pour les mettre ensemble avec eux, pour les considérer si au cas. Et puis CDAO t'a attaqué, ta bloc économique t'a attaqué au militairement pour remettre dans la place. Le président de Choukia a parlé de Mohamed. Et le président de Choukia a remis dans la place. Il nous a dit qu'en plus de pays, après sa appel parmi les États-Unis, ça s'appelle pour remettre monsieur dans la place encore parce que c'est son coup d'État. Mais l'idée militaire nigérien dit que même il y a pris le pouvoir dans un gouvernement civil après 3 ans. Pas plus tard. Et bon, on a fini sur les agents qui étaient actuellement à chaud. Je veux dire, c'est 25. 25 août, c'est délai. 18 mounes que, le commissaire gouvernemental arrondissement Fulton, dans l'État de Georgie, est inculpé dans le dossier. Et manque et mélange, ou bien encore, et tentative, complot qui t'a fait pour affecter ou bien encore changer le résultat de l'élection présidentielle novembre 2020 en faveur et président sortant de l'époque là, Donald Trump, qui est candidat parti républicain, hein, contre et candidat parti démocrate Joe Biden. Donc, M. Sarté fait résultat changé parmi eux et à la tête de l'ancien président Donald Trump qui était dans la tête du monde qui était changé dans la favelle.
Eh bien, 18 moun sa yo gen jusqu'à midi, puis yo rentre tête. Jusqu'à midi, je demande à dire d'après ça, comme c'est gouvernement a décidé. En tout cas, et depuis mercredi, ou bien même Dakadi, effectivement, depuis hier, depuis mercredi, la navette a commencé. Il y a ancien avocat président et ancien magistrat de New York, là, Rudy Giuliani. C'est probablement le premier monde qui rentre tête. Ben, la justice qui paye une caution et puis il fait photo, il fait empreinte et libère sous caution. Et c'était mercredi. Jeudi, et il y a un autre monsieur qui est venu, un ancien avocat président Donald Trump. Il y a le président Donald Trump lui-même, nous pensons que c'est le personnage central et l'accusation. Et bien, le président lui-même prend avion, comme à l'accoutumé, il prend avion, il descend l'attentat. Et lire en tête li, bah, la justice, bon, le processus normal. D'ailleurs, c'est le côté qui pratiquement n'a pas présenté eux-mêmes. Ils ont fait le processus là, ils ont dit alors, ils ont mis en prison, alors pas pour quelques minutes, etc. Et puis ils ont fait papier. Ça va durer un peu de temps, dit, d'après nouvelle lieu, d'après médias américains, ça dure une trentaine de minutes. Ils ont fait un prêt li, ils ont fait photo, et photo ça a publié une étape. Et photo et président. Mais il n'y a pas bon numéro, non, bon photo seulement. Donc ça veut dire que le dossier, monsieur, c'est seul côté parmi trois colonnes côté qui déjà accusé ancien président, qui fait photo et qui fait empreinte digitale, etc. Et qui publie et qui bail. Donc, président, après ça, monsieur tourne, retourne dans New Jersey côté des idées, le reprend avion encore, le tourne la Cali. Mais dans la déclaration qu'il était par la presse, il était toujours quoi que l'élection était volée. L'élection, il était que plus que l'élection était volée, plus qu'il n'y a aucune élection. Il était qu'en tant que citoyen, en tant que candidat, c'était droit pour contester. Mais ce n'est pas pour ça que la politique a justice sur elle. C'était droit pour contester. Donc, mais il y a la gueule tout sous caution, après 200 000 dollars, que il y a une bonne société. Mais qu'on compagnie qui paye 10% pour lui dans le COPSA, donc c'est 20 000 dollars. Ensuite, le président de la COP qui paye les frais. Par compagnie, ça, sous COP, des sous avance ou des sous déposés, de 10% dépôt que le faire. Donc, il fait déclaration. Donc, on est à président de l'ancien président de la Cali. Donc, je dis à reste monde. Parmi les chefs personnels de la Maison Blanche, Mike Meadow, depuis hier, tout le monde est tout. Il y a un avocat, président, tout, il y a un tête tout. Il y a plusieurs autres monde tout, qui ont tête tout. Donc, je dis à eux jusqu'à midi pour tout le. Alors, ça m'a rappelé, nous n'avons pas gagné, gros différence dans l'État de Georgie, les autorités inculpées, ils n'ont pas obligé Liba ou Sarolé à rien mettre. À rien mettre, c'est Sarolé, les chefs d'accusation pour entrer, pour dire si oui ou non coupable. Ça n'a pas fait ni même. C'est deux parties. Processus sale là-dedans. Il y a d'abord le processus inculpation. Côté accusé, côté vin rendre tête. Donc, si vous n'avez pas de nom, ou bien vous n'avez pas assez d'argent pour une liberté sous caution, vous êtes très bon en prison. En attendant, vous êtes devant le juge. Côté juste ça, après, li pour les chefs d'accusation. Le président Trump a 13 chefs d'accusation qui ont pesé contre lui. Sous affaire qui est pour avec l'élection. Ça. Et l'autre monsieur, il y a autant. Donc, ancien président, mes amis, il faut comprendre, oui, la démocratie américaine qui a fonctionné. L'ancien président, le président des États-Unis, c'est la première fois ça a fait dans l'histoire des États-Unis. Eh bien, l'ancien président, quand il y a un juge, ou bien encore avocat, ou bien encore commissaire gouvernement qui a mis une enquête là, sur le dossier, il était proposé 5 septembre comme date pour tout accusé honnête, tout 18 mounio, présenté devant juge là dans tribunal la Kounia pour y a libayo chef d'accusation yo. Et laisse ça yo pral yo même rentrer ça les yo pral dit si oui ou non yo coupable de chef d'accusation yo. Et laisse ça après à partir de là juge qui en caprice de séance pral dit mais on date que nous même nous kembe pour jugement ça a fait d'après ça qui t'a dit tout yo t'a proposé proposer 5 septembre, mais le juge a pourquoi approuver date là. Et ensuite, puisque proposer date 5 septembre, mais les premières paroles qui t'ai dit, je t'ai dit, je t'ai proposé mois de mars, début mois de mars, pour jugement, ça t'a fait. Ça veut dire que le président Donald Trump a un paquet de jugements là qui sont au moins 4. Il y a une dans l'État de Floride,
gagne une état Georgie, gagne une côté m'a parlé avec nous là dans Washington DC et gagne une état Georgie. Et tout pratiquement tout trois là dans gagne pour avec élection hein, et chaque état Floride a gagne pour avec façon que de gérer document et document et secret gouvernement l'elle quitté la Maison Blanche. Avec la cale alors que débattre pour remettre document volontairement le papel et les FBI débarquer la cale une paquet de documents donc il y a le Québec pour ça parce que c'est des documents secrets que le pas de droit en possession après que la présidente des États-Unis donc voilà et tout bas ça avocat président tout comme président Donald Trump lui-même ça le souhaitait il souhaitait que si un jugement qu'a fait compli il t'a amené que le fait après l'élection 2024 nous comprenons ça passé après l'élection 2024. Après l'élection de 2014, si le président, nous ne savons pas ce qui a passé, parce que c'est en tant que président qui a fait, si le pas président, tout il y a de l'autre qui a passé. Mais il a assez ça, il a souhaité. Mais il n'a pas semblé, et le commissaire gouvernement dans l'État concerné, il n'a pas semblé que le commissaire gouvernement est trop intéressé à retarder l'élection pour être là, même si c'est espoir, candidat bâtir. Même si c'est espoir, candidat bâtir républicain, on a capté une nomination bâtir républicain, on n'a pas l'accusé, même si c'est espoir, avocat parle. Et je me dis que le président Donald Trump change d'avocat. Actuellement, il y a une autre équipe, un autre avocat qui est censé être un avocat qui est en charge. Dossier, surtout dossier d'État Georgia. Et M. Sonnet, qui est dans l'État Georgia, qui est avocat, qui est habitué de défendre Mounio et les. Go monsieur, les Blue Collar, go monsieur, qui gagne l'argent, monsieur, go exécutif, monsieur habitué, c'est des dossiers. Monsieur n'était pas dans le tribunal, la même avec le président Donald Trump. Donc, dossier ça, n'a pas suivi pour vous, et en pile, la communauté internationale, tout pile l'autre pays, tout a suivi tout, qui est une démocratie américaine. Compliqué et qui a pu fonctionner tout, pour montrer vraiment tout le monde qui est chef, ça a été tout le monde pas fait, le monde qui est sous tête la loi ou qui sauve, et le fin du bas, au fini, il n'y a pas existé comme ça aux États-Unis, et exemple dans le plan, c'est plus qu'un exemple que nous sommes capables de prendre et pour montrer qu'il y a un système de démocratie américain à prendre, parce que. Quel que soit mon nom, pour violer les lois, pour être capable de faire face à la justice. Pour l'autre, pour faire face à la justice, et être capable de juger, être capable de quitter, être capable de lagoer, être capable de faire une bonne prison, tout ce fait. Mais ensuite, c'est Donald Trump, encore plus gros exemple qui vient. Et voilà que Donald Trump est encore candidat, il a encore cherché une nomination parti républicain, hein, pour nomination parti républicain pour l'élection 2024. Donc, pas grand rien dans la loi, pas grand rien dans la constitution américaine qui interdit un citoyen. Qui inculpé dans un dossier quelconque pour chercher et non un poste électif. Pas rien qui interdit ça. Donc Donald Trump, après toute expérience, dit qu'il est capable de continuer à mener la campagne. Parlant de ça, l'ancien président n'a pas participé dans le premier débat qui était fait et le Parti républicain a été fait dans New York récemment, c'était mercredi. Il va participer parce que lui-même n'est pas croyant que le débat sera pourtant impoli. D'autant plus qu'il a mené dans le sondage. Il déjà dans toute l'autre 8 personnes qui étaient là, même si on combine ensemble, la mène surtout sur d'autres qui sont présents. Mais ça a été fait. C'est que, dans même l'heure que le débat ne pas fait là, et bien, M. Lagon, ont interview. On interview qui semble attirer attention plus de monde que 8 candidats partis républicains qui étaient dans le débat. Donc, dossier ça va pas, et pour n'y a pas un deuxième débat encore, donc on a prêté pour suivre, on a regardé pour nous. Qu'il est ancien président avec l'autre co-accusé au cal devant et juge ou bien pas dans le tribunal pour y aller répondre à la chef d'accusation. Maintenant, il y a l'autre trois chefs d'accusation, l'autre trois tribunaux ou bien l'autre trois côtés qui étaient accusés président sur le dossier ça. Il était déjà dit que lui-même n'est pas coupable pour ça qu'il a accusé. Donc, c'est droit, les États-Unis, c'est droit. Il y a accusé ou pas obligé de dire que pas coupable ou pas coupable. Ou bien doit dire coupable ou bien doit dire pas coupable. Donc, ça veut dire que vous pas coupable. Normalement, bon procès qu'il va. C'est ça que je comprends. L'autre dossier qui est intéressant pour nous, c'est le dossier immigration. Le dossier immigration, nous-mêmes, compatriotes, nous-mêmes, l'autre, nous avons gardé là, qui sont sous frontière, et nous-mêmes, tout qui, l'autre côté, que ce soit ou dans la zone Nicaragua, ou Cuba, ou Venezuela, ou en Haïti, le dossier ça intéressant. C'est le dossier ça, le programme Biden. Alors, il y a le programme Biden, il y a le programme humanitaire. Nous avons le même programme parole, ça veut dire programme admission aux États-Unis sous condition. Ça veut dire que faut qu'on monte aux États-Unis qui pour patronner financièrement pour qu'on participe à un programme ça, mais pas qu'à venir par la route.
faut venir, ou pas venir ni par la route ni dans la mer. Faut venir non avion pour descendre non port officiel États-Unis, on côté un avion débarqué ou débarqué dans programme ça. Une fois que approuvé, donc gomme qui a pour, qui a appliqué pour vous, il annule les dossiers mon financièrement mon incapable, yo OK. Donc dossier ça te gagne 20 états dominicains, 20 états que République a dirigé qui déposent plainte contre l'administration parce que l'administration a dépassé limite li. Et puis, il y a un problème par eux parce que les tout le monde s'entraîne dans le pays, ils ne sont pas prêts à aller pour eux, pour que les soins de santé, l'école, les conseils de dépenses. Donc, l'État vient républicain, ça qui est plus ou moins sur frontière, plus ou moins. Et bien, vous pouvez prendre dans l'État de Texas contre l'administration. Et puis, les programmes ont commencé pour vous demander et camper ce programme parole administration Biden. Camper parce que le gouvernement non seulement dépassé les limites, mais tous les programmes ont trois problèmes pour eux. Avec flot immigration. Rappelons que d'après les données, jusqu'au 22 août, d'après les données qui ont eh près de chiffrage, près de dépasser 200 000 personnes qui ont bénéficié du programme et qui déjà rentré aux États-Unis. Parmi eux, il y a plus de 67 000 Haïtiens qui ont bénéficié du programme. Il y a un petit babito qui dit oui, mais bon, même programme comme ça pour l'Ukraine. Pour ça que l'État République ne va pas porter plainte. Effectivement, il va porter plainte contre même programme ça qui peut mettre plus de 100 000 Ukrainiens déjà entrés aux États-Unis depuis que la Russie a attaqué et été attaqué le gouvernement Volodymyr Zelensky. Donc, il y a une plainte ça, il n'y a pas de fait pour l'Ukraine. Donc, je dis, pour ça, c'est pour quatre pays, trois pays dans l'Amérique latine, Venezuela, Haïti, Cuba et Kouniela, et Venezuela, Haïti, Cuba et Nicaragua. Pour ça, c'est contre eux. Donc, nous n'avons pas de réponse là, seulement nous juste rapporter par où, qui ça que la presse rapporte, qui ça que les spécialistes disent, et qui question qui pose autour du dossier. En tout cas, le dossier devant un juge Tipton, qui est lui-même, qui a un dossier qui a duré deux jours. Il a commencé depuis hier, donc depuis jeudi 24 août là, et la fin de jeudi. Il y a trois parties qui sont impliquées dans le dossier aujourd'hui. Il y a d'abord 20 états, avocat 20 états, qui a fait valoir position, pour qu'il s'accueille, pour le programme dans le campé. Il y a un avocat gouvernement lui-même qui peut dire pour que le programme doit continuer. Et puis il y a un militant qui a défendu les migrants. Donc, juge, type qui a pour le temps de tous les trois parties avant que lui-même prenne une décision. Quelle que soit la décision, juge, type qui prend ce dossier, qui passe jeudi à ces deux jours, c'est 48 heures, c'est jeudi et vendredi. Donc, il n'y a pas de l'heure qu'il parle prononcer le souli. Donc, quelle que soit l'heure qu'il prend une décision, deux parties concernées sont capables toujours aller en appel avec dossier si on pas satisfait. C'est que chez républicain ou bien non, donc son dossier qui va et qui doit aller non seulement aller de coup d'appel aller dans coup d'appel ensuite coup d'appel en passer dans nouvelle Orléans la pied et ensuite il est capable sortir là puis monter dans cour suprême navel qui ces derniers sans judiciaire États-Unis on voit que fin prononcer sur dossier point final. Donc n'a sur dossier ça pour tout. Et en tout cas, et Gerline Joseph Napsier, aussi a un contact avec lui-même qui est présent, il est sur place. Donc, là, sur le dossier, nous, on a pas de parler avec lui plus tard dans le programme radio sur télévision. Peut-être qu'il a pourtant tiré les membres de ça qui passait de Guillaume Dossier. Parce qu'on connaît lui-même tout comme on a défendu immigrants. Et bien, lui-même, il est parmi les gens qui l'a eu, qui a suivi le dossier. Ça. C'est pour la situation, là, mes amis. Donc, le dossier devant là. Donc, il a fait valoir le droit, il a vraiment dépassé. Limite, mais il y a plusieurs dossiers qui sous dossier. Bon, l'autre dossier qui devant Texas, tout qui est dans Texas, tout le gouvernement fédéral là, ancien état Texas, parce que les mettaient une clôture flottant dans le fleuve Rio Grande. Et bien, le gouvernement dit non, parce qu'on doit mettre parce que pas une permission gouvernement un, fédéral là, et deuxièmement, pas une permission entité qui occupait gérer question de l'eau, l'eau séparée du pays. Et l'eau, ça ou bien que le fleuve là sépare le Mexique avec les États-Unis. Autorité mexicaine est fâchée comme ça, tout, il n'y a pas d'accord, tout, il n'y a pas de et ça, il a dit c'est lui même pour limiter quand ces immigrants qui traversent, utiliser de l'eau, le fleuve là, pour traverser, pour venir entrer au Texas sans document légal. Donc, déjà, il dit lui-même, il parle pour là, même si devant le Cour suprême, le gouverneur de Texas, Greg Abbott, dit lui-même, il prend là avec le dossier. En tout cas, le gouvernement fédéral a demandé pour retirer parce qu'il pose une menace entre relations. États-Unis avec Mexique. Dossier n'a pas de coup. Dossier en pile. En pile, il n'a pas de coup. Et puis, nous pas prêter. Non, nous parlons dans le pays d'Haïti. Nous rappelons que l'ouragan Franklin épargne Haïti. En pile, le monde va être bravo.
mais il fait un peu de dégâts en République dominicaine. Pas un peu de monde qui mourit, mais il fait un peu de dégâts. Un peu de dégâts. Il a un peu de l'eau. Haïti, il y a quelques zones qui ont la pluie, mais mon n'importe quoi, dit Jacques Mel, ça a dit. Et contrairement à ça, il n'y a pas attendu, pas de ça, mais le gouvernement et l'autorité haïtienne n'ont pas pris de précaution. Et puis ce dossier, délégation et militaire ou délégation police Kenya, qui était en visite en Haïti, peut-être pas pour une visite de retrouver ou visite de. Je dis à cette semaine, une visite d'évaluation de la situation sécuritaire dans le pays et surtout dans votre province. Monsieur a passé plusieurs jours. Il y aurait des plusieurs mondes, des mondes qui ont reproché le fait qu'ils n'ont pas représenté, qu'ils n'ont pas rencontré avec des mondes qui n'ont pas d'accord parce qu'ils ont troupes étrangères qui viennent dans le pays. Mais ils ont rencontré le gouvernement, ils ont rencontré plusieurs secteurs, mais ils ont reproché le fait que les délégations ne sont pas d'accord. Mais les délégations, le gouvernement soutient les autres sous notre immédiatement avec des délégations particulières. Ils disent que, quel que soit le déploiement aux forces multinationales en Haïti, que les Nations Unies aient pour l'autoriser, ou bien le Conseil de sécurité des Nations Unies aient pour l'autoriser, avec participation de plusieurs pays qui ont venu protocoler dans la force là, eh bien, il n'y a pas venu remplacer le travail de la police nationale là. La police nationale a tout fait travail. Au contraire, il a venu accompagner la police nationale là. Mais ça, monsieur, il dit eux-mêmes, il est venu pour sécuriser l'infrastructure, donc au port, donc au aéroport, et route principale. Mais il n'y a pas aucun corridor pour y aller des négamés, etc. Ça, c'est pour le travail de la police nationale là, même si on est capable d'accompagner. Donc, il n'y a pas de bagage à dire. Mais la commission délégation, ça qui pour faire un rapport avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour dire ça, ouais. Et à partir de ça, le Conseil de sécurité va regarder tout le rapport que les Nations Unies, ou bien encore le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait, pour te dire que lui-même, la situation est là, Haïti n'a pas besoin de force onusienne pour aller, mais il y a une force robuste qui peut amener l'ordre dans des ordres accompagnés de police nationale. Donc, je pense que ça va mettre l'accent sur ça. Il y a une force robuste qui peut amener et bah, avec police nationale là pour aider. Donc, c'est ça qu'on s'est dit. Après, regardez deux rapports et mettez ensemble et prenez une décision en ce sens. Mais jusqu'à présent, Kenya, c'est lui qui est en lead, c'est lui qui est en tête. Pour qu'on l'ingrande en bac, machin, pas qu'à poser sous grève.
just fucking love my country. Qui est-ce? Qui est-ce qui vrai gangster? Qui est-ce? Qui est-ce qui pongongo? Village de Dieu, grand rabbin, 400 maroso. Où est-ce que I love my country, je t'aime. Si pays ça, qu'il est n'a si son fait caca. Semble pas foutre en état. Merci, politicien, merci. Bourgeoisie, merci. Pour tout ça qui fait nous mal. Te volé. Au goût, mettre foot, pète et fière.